Tikana prophétiser na vie. Bisika balinga bazokufa kokufa te. Eloko pomi tata na yo ko poma yote. Eloko pomi mama e ko poma yote. Ya ye. Les jours de chaque chrétien ont tourné. Tu vas savoir que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle. Et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sur cette terre. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe? A partir de l'élo, na commission intouchable. Amen. Na commission bino invisible. Na yoko kotsa yo, na linye ya batuba isapa makambu ya tenye wa. Hallelujah.
sa main, mi sa main, o ku mi sa main, alleluia, netto la main, netto la main. Toi qui n'as pas de commencement,
Toi qu'on appelle l'alpha et oméga. Toi qui as commencé le commencement. Tu n'as pas le commencement, tu n'as pas le fin. Il est écrit dans ta parole. En toi nous vivons. En toi nous mouvons. En toi nous avons notre être. Tu es le souffle de nos nez. Tu es tout pour nous. Tu es la vie. Tu es tout. Nous t'adorons. À ce moment, nous t'adorons. Et nous déclarons que tu es Dieu. Tu es Seigneur. Tu es Dieu. Merci, Papa, pour cette occasion d'être encore dans ta présence. Dans cette journée, le mercredi. Merci pour tous ceux qui nous regardent à ce moment. Je demande que tu les touches partout là où ils nous suivent maintenant. Visitez chacun dans leur maison. Guéri, délivré, au nom puissant de Jésus. Et nous gérons de rendre toute la gloire à toi seul. Merci, Papa. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. 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 Je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur, notre Seigneur. Et j'espère que vous allez tous bien là où vous êtes, que vous me suivez à ce moment ici. Que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui ne savent pas, mais savent que tous les jours de notre culte, je serai là en live et de t'apporter la parole de Dieu qu'on a besoin à ce moment de crise mondiale, à ce moment de pandémie. Et pour TV, en direct, aujourd'hui, mercredi, savent qu'après cette enseignement, à partir de 10h à 11h, il y aura des rediffusions à 11h, midi, 13h. So, tu as le temps de suivre le message plusieurs fois. Et il y a des gens qui ont 11h, 12h, 13h, et ça sera ainsi aussi vendredi à 17h. Et pour ça, bon, paye, vendredi à 17h. Rédivision à 18h. Et pour bander la mousse, on a 18h. Encore à 19h. Ben à 19h. À 20h. À 20h. Et à 21h. Ben à 21h. Le même dimanche. Le lendemain au dimanche. 7h du matin. À 7h. Et rédivision à 8h. À 9h. À 10h. À 11h. Une fois encore, soyez le bienvenu ce matin. Et nandimi ke matéya ozo yoka na tongo alelo et quoi affecter kundi manayo. Je crois que le message que tu entends ce matin va affecter ta foi. Nous sommes arrivés à un moment très crucial, très très important dans notre vie ici-bas. Avant que tous ces événements commencent, j'avais prophétisé ça. Je vous avais dit dans notre culte qu'il y a un temps arrive où on va se rassembler ensemble. Parce que tous les signes sont là. Que Jésus revient bientôt. Et c'est le moment que les justes va vivre par sa propre foi. Le temps est arrivé pour l'accomplissement prophétique. Comme Dieu m'avait parlé au début de 7 mois, il m'a dit, mon fils, 7 mois est dénommé mois d'accomplissement prophétique. Et aujourd'hui, vous êtes tous témoins que les paroles prophétiques dans la parole de Dieu sont
en train de s'accomplir à partir de ces mois. Et j'ai béni Dieu pour cela. Et Jésus a dit, ça ce n'est que le commencement des douleurs. Mais ne soyez pas troublés. Et je vous dis encore, n'ayez pas peur. C'est le temps que Dieu va faire la différence entre celui qui le sert et celui qui ne sert pas. J'avais dit ça dans plusieurs fois dans mon message à tous ceux qui nous suivent, même nos fidèles. J'ai répété ça. Il y a un temps, ça va arriver, qu'il n'aura pas de solution pour cette pandémie. Ça sera seulement par ta foi. Et na lobaka yango kala pona ba balanda biso pe ba bayaka na eklezia awa eza na ngonga moko oyo okobika te na nini kasi obika kaka na kondima. Voilà. J'aimerais aujourd'hui de lona kolinga vous encourager aussi encore, vous encourager bino lisu, soutenir votre foi pona kondima na bino, parce que c'est ce que tu as besoin à ce temps ici. Pete yango nzamba za nango posa na loko yo ezo ningisa mokili mobima. Cette chose bouleverse le monde entier. Mais je bénis Dieu. Je bénis la parole de Dieu. Jésus nous avait dit déjà, ne soyez pas troublés. Ce n'est que le commencement. J'aimerais qu'on rentre dans la parole de Dieu encore. Avant que je ne te délivre ce que Dieu a mis en moi. Alléluia. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Encore, on va lire à partir de verset 6. Matthieu 24 à partir de verset 6. Vous tous qui me suivent, bilion so bozolanda. Mimonaka ki ozana église ozolanda bisona culte, c'est-à-dire tout ce qu'on fait, fais-le chez toi. Considère que tu es en plein culte et nyonso tozo sala awa, yo pe sala yango na ndako. Kotisa esprit. Engage ton esprit. Kanga ba téléphone. Et concentré. Sois concentré. Alléluia. Amen. Parce que Zambé azo visité yo à travers ya écran. Parce que Dieu te visite au travers de toi. Ozala na Europe. Que tu sois en Europe. Ozala partout. Partout que tu sois. Mon Dieu va te visiter. Zambé nanga possible. D'ailleurs, je crois que vous êtes en train de suivre les témoignages de quelqu'un qui est confirmé. Atini ba image na yatini voice na yatini news confirmé. Akomi na eta même ya pema et comme ko zoyé azo kende. Mais mon Dieu l'a guéri à l'instant. Et ça, c'est le que le commencement. Alléluia. Amen. Matthieu 24, verset 6. Matthieu 24, verset 6. Version Darby. Et vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerres. Prenez garde que vous ne soyez pas troublés. Vous voyez, c'est notre maître Jésus-Christ qui est en train de parler. Alors, prenez garde. J'aime ça. Prenez garde. Prenez garde que vous ne soyez pas troublés. Yebsa mninga na ne soyez pas troublés. Yebsa moi sina moi sina yebsa mobali moana. Je ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés. Parce que nakati ya trouble, nakati ya panique, vous avez aggravé ma kambo. Dans la panique, vous aggravez les choses. Nasina lobe libiso dernièrement et loko mutuazo banga eko domine. Et dernièrement, j'avais dit que ce qu'un homme craint, c'est là la rivière. C'est notre Seigneur Jésus Christ qui nous a dit ne soyez pas troublés. Tolo Yesu na biso nda lobi ete bo bangate. Ok, tu quoi? Version communauté chrétienne, verset 6. Vous entendrez parler des guerres et des rumeurs de guerre. Ne cédez pas à la panique. Merci papa, ne cédez pas à la panique. Si ça y est, ne cédez pas à la panique, cela doit arriver. Mon Dieu, vous voyez, Moni, on doit partager l'évangile avec la révélation. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, binini, répétez cette dernière phrase. Ne cédez pas à la panique. Voilà. Cela doit arriver. Cela doit arriver. Cela doit. C'est obligatoire. On ne peut pas prier contre l'accomplissement prophétique. On peut seulement prier pour l'exemption. Donc, on quitte le pays qui s'allie, ça colle. C'est bien dit partout dans Joël chapitre 2, dans Esaïe 60-62. C'est écrit là, tu peux suivre ça. Que un moment arrive dans le monde ici, et tout sera noir, catastrophe.
Mais il est un peuple. La gloire de Dieu va s'apparaître sur eux. Donc, les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Et comment on a dit qu'on a dit. Voilà. C'est le temps maintenant. Bon, et Jésus dit, ce n'est que le commencement. Alors bien, car il faut que tout arrive. Il faut que tout arrive. Mais la fin n'est pas encore. Et Seigneur est nous ce comment car si on est en train de se faire. Continuez verset 7. Verset 7, version d'abord. Voilà. Car nation s'élèvera contre nation. Voilà. Et royaume contre royaume. Mm-hmm. Et il y aura des familles. Et des pestes. Voilà, Yangoyo. Il y aura des familles et des pestes. Tu l'as dit qu'il y a ma famille, mais peste, Yangoyo. Calamité. Peste calamitose. Yangoyo et bandit. C'est ça peste. Qui a commencé. Oyezo Lingisa, pandémie. C'est pandémie ça qui fait partie. Il y a accomplissement prophétique. Continuez. Ce que vous en avez, monsieur Tanga, pour nous, s'il te plaît. Car nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume. Il y aura des famines et des pestes, et des tremblements de terre en divers lieux. Boyoki déjà na croatie, soki croatia, soki croatia. Tremblement de terre, salami et hein? Croatie, merci. Croatie, tremblement de terre, salami. Na kati à 5 degrés, malili. Sobatu babimi na ndaku. Tandis mettre la bala bala et avec le coronavirus, c'est partout. C'est partout dans le monde. Jésus a vu cela. Yes, il a déjà prophétisé cela. Mais il nous a dit Alobi, ne soyez pas troublés. Continuez. Version parole vivante, verset 7. Oui. En effet, on verra se dresser race contre race, état contre état. Il y aura tantôt ici, tantôt là, des épidémies. Oh, ma chalabaya. Oyoki. Il y aura tantôt ici, tantôt cela. Des épidémies. Pas une épidémie, des épidémies. Oyo, ce n'est que les commencements. Et je vais te montrer quelque chose. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Bangate. Parce que c'est écrit bibliquement. Et comment mine le bananzambe? Continuez. Il y aura tantôt ici, tantôt là. Des épidémies, des famines et des tremblements de terre. Verset 8. Oh, verset 8. Toutes ces choses ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Tout cela, ce n'est que les premières douleurs de l'enfantement. Ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. Alléluia. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Voilà pourquoi il dit, ne soyez pas troublés. Continuez pas. Verset 8, version d'Arbi. Mais toutes ces choses sont un commencement de douleur. 9. Alors ils vous les livreront pour être affligés. Ils vous feront mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. 10. Alors plusieurs seront scandalisés. Voilà. Et se livreront l'un l'autre. Allez. Et ils se haïront l'un l'autre. Voilà. 11. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Alléluia. Vous en avez besoin de persévérance à ce moment ici. Tu as besoin de la persévérance en ce moment. Parce que Ngonga, il y a pas si et Betty Mukili. L'heure des calamités a sonné dans le monde. Mais bah, oh, bah, zana Yesu Masia, bah, zana Kimia, parce que c'est lui le prince de paix. Mais ceux qui ont Christ auront la paix pour une kumuya Kimia. Même les puissances de ce monde et que les kalabangu bah, koye, bah, comment gérer ça. Même les puissances du monde ne sauront pas comment gérer cette affaire. Oui. Mangonyo se baso linga de yitu zolo bango. Tous sont en tremblement. Parce que Jésus. Oui, de Yesu. Va se manifester. A comme il t'a dit ça. Pour montrer à ce monde ici qu'il est Dieu, il est le roi des rois. Je suis en train de prophétiser. J'ai dit toutes ces choses depuis que des mois passés, même année passée. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est ça. Ok? Continuez. Verset 20, 21. Version d'Arbi.
et priez que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat. 21. Car alors il y aura une grande tribulation, dès qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Oyoki, alobi depuis mokili banda, oyo, nanu e salamate, et ekosalimate après cela. Parce que c'est la fin. Oyo, ce n'est que le commencement, on n'a rien vu encore. 21. Car alors il y aura une grande tribulation, dès qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. 22. Et si ces voilà jours-là... Voilà pourquoi toi qui me suis, c'est le moment de réparer avec ton Dieu. C'est le moment de repentance. C'est le moment de repentance. C'est le moment de revenir vers Dieu avec droiture. C'est le moment. Ce qui s'est fait, accomplissement prophétique de la parole de Dieu. Que les prophètes ont prophétisé comme Daniel, comme Esaïe, Jérémie. C'est ça qui s'accomplit. Alléluia. Amen. Alobi, soki bakati mukolo mukusete, même bazelu bakukebe. Alléluia. Continue. Version Lingala ya lelo 21. Pambate natango wana pasi ya somo ekozala. Voilà. Pasi ya ndenge wana emonana nanu te. Emonana nanu te. Uta ebandeli ya mokili ti sikoyo. Voilà. Ekomonana pe lisusu te. Voilà. 22. Pour te montrer que c'est un moment où il y a un moment où fondre, où tu as fondre, kakaboué. Et c'est cela que tu as dit. Dans la zone, tu as fondre. Tu as tombé pas à quoi. Quelqu'un marche, il tombe. Voilà. 22. Ce qui nous a mis à côté la cape de Mikolo. C'est-à-dire, à un moment où il n'y a que Dieu qui peut résoudre, qui peut intervenir. On doit pleurer la miséricorde de Dieu. Il n'y a que Dieu. Ce qui a quantité, même les élus, les pélés, okay. Amen. Ce qui nous a mis à côté la cape de Mikolo, il n'y a pas si on a des points comme à me pousser. Mais les Adamo de mon côté à Koka qui Kobika. Ayamaya bataga na sambeli na minute oyo na ngongo oyo zame na ngai apesa yo makasi. Amen. Apesa yo kimia. Amen. Alongo la panique na vina yo. Amen. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Il faut que le monde sa le Seigneur mon kili yeba et croit que il est un Dieu. Et ce Dieu-là est réel. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Même si vous ne croyez pas, vous croyez. Il y aura beaucoup de signes dans ces derniers temps pour prouver que Jésus est Dieu. Même si tu ne veux pas ce que je dis, c'est ainsi. Alléluia. Amen. C'est le moment de jouer. Que nous revenions sur le droit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allo bien, yango et komami. Verset 22, est-ce que tu peux me lire encore cette version-là que tu l'as lu? Verset 22, Lingala. Voilà. Ce qui nous a mis à côté de la table, c'est que nous n'avons pas si on a été pour être poussé. Mais les Adamo de mon côté à Koka qui Kobika. Alléluia. Car si nous avons mis à côté de la table, pour nous battre au yoye à Pona. Ama shoto poliama na sambeli yo nangai tuzala na kati ya batuana aponaki. Amen. Na kombu na Yesu. Amen. Je disais ça depuis l'année passée, même. Amen. Cette année, même j'ai dit aux gens, et si dans notre cœur je dis l'année passée c'est l'année des jugements, Dieu m'a montré que les jugements commencent. Mais au commencement de cette année, il m'a demandé que je te dise c'est l'année des miracles extraordinaires. Mais les jugements continuent. Parce que dans cet état, mon Dieu va se manifester des miracles extraordinaires. Comme notre maman l'a dit en France, confirmé. Elle a toutes les preuves. Mais avec la prière, courte prière par la téléphone, elle est
guéri, sauvé maintenant que nous parlons de cette pandémie. Et makambo nyoso na sakola kama mbule leki ezalaki ane a jugement nzamba la kisinga kazo koi sa jugement mais tant to koti na ngonga oyo na mbula oyo na lobike esili na nuté nzamba zo continuer ba jugement po asala ba miracle extraordinaire lokola mama na biso na France. Son numéro est là, tu peux l'appeler, tu peux poser des questions, elle est vivante, elle est là, elle va te dire tout ce qui s'est passé. Numéro na téléphone ezo le kawana na TV bengaye akoloba na yo pour ko vérifier nyonso ezo le kana. Il n'y a que Dieu. Kaka nzambe. Il n'y a que intervention divine. Kaka lo boko na nzambe. À ce moment ici. Nangonga oyo. Que le monde est en train de traverser. Oh moki les autres. Je parle à tout le monde qui m'écoute. Nazolo ba mokili nyonso ezo. Les autorités de ce monde. Bakonzi ya mokili. Sache qu'il y a un Dieu. Boye bete nzambe moko azali. Il s'appelle Emmanuel. Komone Emmanuel. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'il a dit, oya loba, c'est ce qu'on est en train d'expérimenter maintenant. Kaka yangonde tozo bika sikoyo. Mais je bénis Dieu. Kasi na pamboli nzambe. Parce qu'il nous a dit. Kweta loba ki na biso. Toutes ces choses qui sont écrites dans sa parole. Nyosoye koma mina liloba na ye. Sont écrites pour nous servir en tant qu'exemple. Et comment mi pose la nenda ki sapona biso. Dans 1 Corinthiens 10 verset 11, c'est écrit comme ça. Et quand on dit quelque chose est exemple, et on peut dire quelque chose est, c'est une référence. Et ce qui parle bien de Ezalinda Kisa, Ezalinda Esika Oko Tala Pona Kostala Makambo Kosale Mandenge. Moi je sais qu'il y a des gens qui seront épanouis de ça. Parce qu'il a dit dans sa parole, je vais faire la différence entre celui qui me sert et celui qui me sert. Le temps est arrivé. Il vient de dire ici, verset 22, nous venons de lire ça. Et si ces jours-là nous étaient abrégés, nul chair ne été sauvé, mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. So, il n'y a que Dieu qui a la solution. Voilà pourquoi tout le monde doit pleurer, implorer la miséricorde de Dieu à ce moment ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu pour édifier ta foi. Il y a des choses quand je lis la parole de Dieu. Quand je lis la parole de Dieu, je vois certaines choses qui m'amènent à rire. Nous avons tout. Nous avons tout. Alors, il y a ce que nous pouvons servir en tant qu'exemple, référence. Tout est écrit pour nous servir d'exemple. En Égypte. Ba fléau, ba calamité, ba épidémie et côté d'Égypte. Il y avait des calamités, des fléaux en Égypte. Ba sauterelle et côté d'Abadakou, ils ont tiré à parler des rois. Des sauterelles jusqu'au palais royal. Comme Balobi essaye côté d'un côté à ba Bamboka arabe maintenant. Ba sauterelle, ils ont lié biloko, ils ont bilanga, ils ont lié des milliers de sauterelles. Ils ont salamé depuis quelques semaines maintenant. Et comme cela s'est fait dans quelques pays déjà, il y a des sauterelles qui viennent ravager des champs. Na exote moni na Egypte ba sauterelle na ba ligorodo tout et côté calamité ba peste ya dengue mais et côté te na ndako et simbité ba na nzambe ata mon côté na Egypte. Et toutes ces choses sont écrites pour et servir biso en tant que référence exemple. Ça c'est photocopie, maintenant biso toujours vivre original. Et tel que cela était arrivé en Égypte, il y avait des pertes, des calamités, mais aucun Israélite n'était touché. De la même manière, nous aussi, nous vivons juste l'original de ce qui était annoncé dans la Bible. En Égypte, à l'époque, même jusqu'au palais des rois, les premiers nés, Bakoufi, Yabanyama, Yabatu, Yanyonso. Maintenant, quand Yabana Zambé, à ta mon côté, Yabufaki. En Égypte, bana nyonso ya liboso ki no na ndako mokonzi bakufaki mais na bana nzambe moko akufaki te. J'ai la joie de vous annoncer cette bonne nouvelle. Nazana esengwa ko sakola o. Il est écrit dans sa parole. Et comme il est le Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Il n'a pas encore changé. Je viens de lire tout à l'heure ici maintenant. Lui-même a dit que si ce jour-là n'est pas abrégé, personne va être sauvé. C'est-à-dire, Azan Nkouya, il a le pouvoir, assis à mon ignonce, il a déjà assis à prophétiser. Il a déjà prophétisé. Maintenant, toujours vivre accomplissement. Nous vivons maintenant l'accomplissement prophétique. De la prophétie. Voilà pourquoi je te lance un appel. Tu ne crois pas en Dieu. Crois en lui. Reçois-le. Tout bela. Répentis. Confesse et répentis. Avant qu'il ne soit tard. Nous sommes au temps de la fin. Pour te dire que ce n'est que le commencement. Plus grave, plus grave. Et ça, dans un documentaire, mais c'est terrifiant, c'est effrayant. Mais pour la moutou, il y a des gens qui ont le côté. Parce que nous avons des gens qui ont des fonds. L'heure a sonné, il y aura nombreuses personnes qui vont fondre comme ça pour rien. Et je sais que Dieu a permis ça. Ça, c'est spirituel. Ça, c'est Dieu. Parce que sa parole doit être accomplie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je suis ici pour encourager ta foi. Dans tout cela, tu dois connaître ton identité. Comme j'ai dit la fois passée. La fois passée, je vous avais dit. Reconnaître que tu es un esprit. Tu es un esprit dans sa corps. Celui qui est né de l'homme est homme. Celui qui est né de l'esprit est esprit. La parole de Dieu a dit ça, Jean 3, verset 3 à 6. Ok? So, celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Ça, c'est le temps de reconnaître qui tu es en Christ Jésus. Et après savoir reconnaître ça, la parole de Dieu dit ce que je crois, je dois parler. Nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Je crois et c'est pour cela que je parle. C'est le moment de déclarer ta foi. Dans cette pandémie, sois positionné spirituel. Prends ta position spirituelle. Attends que lumière dans ce monde. Parce que Jésus nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Lumière est maître des ténèbres. Tout ce qui vient des ténèbres ne peut pas dominer la lumière. Voyez la nuit. Tu allumes la lampe dans ta maison. Cette lumière domine les ténèbres. Je viens prophétiser sur vous. La domination totale. Lors de la domination totale, il faut reconnaître l'identité. Reconnais ton identité. Il faut déclarer en vous aussi. Et tu dois le déclarer aussi. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous avons beaucoup de promesses de la parole. 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, mais tu ne seras pas atteint. C'est le temps de commencer à déclarer ça. Parce que la foi parle. La foi est bavarde. La foi parle. Amen. Faut déclarer ta foi. Parce que la parole de Dieu est esprit. Et tu es un esprit. Quand tu déclares, esprit à parole, esprit de cette parole, enveloppé, t'enveloppe, et sont protégés, te protège, et mes maillots, tes fronts. Tu es en train de voler sous les ailes de l'esprit de la parole de Dieu. C'est le temps de différence. J'ai dit c'est le temps de différence. Entre celui qui les sert et celui qui les sert. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Il a dit, même si je marche dans le vallon de l'ombre de la mort, je ne crains pas. Yes. Je ne crains pas. Yeah, tu vois? Il y a une pandémie, c'est une vallée de la mort. Beaucoup de tension, mais il y a des gens qui sont Nazana Kimia, parce que notre temps de rédemption est arrivé. Est-ce que vous avez un peu de somme? Mambo chique pelemendo sous la barra de Gedia. Ayane maya te gede 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 gede. Oh yes, chapitre 23.
Je prie pour vous. Mon Dieu va t'épanouir. Zambe nanga kocha yo bembeni. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Par un prophète il fait sortir. Par un prophète il fait préserver. Même en Égypte. Attends en Égypte. Prophète Moïse. Il y avait un prophète était Moïse. Était envoyé par Dieu. Il a fait sortir. Et il a préservé. Pendant 40 ans. 40 ans. Alléluia. Amen. Psaume 23. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. 2. Il me fait reposer dans des vertes pâturages. Il me mène à des eaux paisibles. 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Verset 4. Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent. Tu dressais devant moi une table en la présence de mes ennemis. Tu as oint ma tête d'huile, ma coupe est comblée. Oui, la bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma vie, et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Alléluia. Est-ce que vous avez le cas? Est-ce que vous entendez? Alors, même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, parce que tu es avec moi. C'est le temps où reconnaître la présence de Zambé. L'heure a sonné que tu reconnaisses la présence de Dieu avec toi. J'avais parlé de ça dernièrement. Nous sommes le temple de Dieu. Nous allons temple de Zambé. Où est l'adresse de Dieu? Où est l'adresse de Zambé? À nous. Christ en nous. Christ au cœur de l'espérance de la gloire. Là où le Christ habite. Cette pandémie ne peut pas contaminer. Nous sommes le temple de Dieu. Là où habite Dieu par son esprit. Christ en moi. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Par l'espérance de la mort. Psaume 23. Je marcherai, quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Aucun mal. Ça c'est. Aucun mal. Je ne craindrai aucun mal. Car tu es avec moi. Ndeko, sache-toi que la présence de Jésus-Christ de Nazareth est avec toi. Amen. C'est la seule garantie à ce moment-ci. C'est une garantie mortelle. Je le dis et je le répète. Zambé à Zambé. Sauf si Dieu n'est pas Dieu. De prouver. Qui sont les siens? Je mène ma vie normalement. Mène ma vie normalement. La chose va le tirer, ma beaucoup na tirer. Ma bâtir le coup na mutu bâtir. Température toujours 34-35, n'est-ce pas? Voilà, place sur Nazo Kenene, partout. J'ai fait mon sport, je pars au piscine chaque matin, j'ai fait des courses dans l'eau. Et l'eau, mon côté, est côté Nazo Toyo. Parce que nous sommes des esprits. Amen. Alléluia. Alléluia. Paul a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de qui? De Dieu. De Corona? Non. Le temple de qui? Dieu. Là où habite qui? Dieu. De Corona? Non. Là Dieu. Où habite Dieu. C'est le moment qu'on prêche l'évangile de la foi qui va encourager la foi des gens. Parce que Dieu nous a dit, les justes vivront par sa propre foi. C'est le temps. Je n'ai pas presque dormi toute la nuit en communion, mais je suis enfant. Je suis parti faire les sports ce matin. Je suis sorti de chez moi, 5h40. Et je suis ici. Alléluia. Bien-aimé. Molingami. Nous avons un Dieu réel. Nous en ensemble à solo. Alobi. Il a dit. Parce qu'il est avec moi. Je ne crains aucun mal. Nakobanga et l'autre côté. Car tu es avec moi.
Alléluia. Dans la version. Version Galayanelo. Oui. Verset 4. Oui. A Yahweh. Ata soki nazali ko tambola na kati ya molili ya somo. Oui. Na koki ko banga eloko te. Ndeko na yeko hebisa yoko banga te. Omoni Matea wana na lobi te puis dimanche passé na lobi. Na ye première chose na yesi bana zambe. Zamba lobi na yesa bino ko banga te. Nazo repete. Yebisa voisin na yo, mwasi na yo, bana na yo. Yebisa ko banga te. Dis à ta famille. Craignez rien. Pourquoi Dieu répète, ne soyez pas troublés. Même Jésus a dit ça dans Matthieu 24. Alors, ne soyez pas troublés. Pourquoi? Dès que tu as peur de quelque chose, et qu'on domine, et mon salaire média, et mon réseau social, et mon côté, si vous bangez la vie, tu n'as pas dit, maman, papa, awa, nous sommes troublés. Alors, maman, la Bible dit quoi? Ne soyez pas troublés. Ce n'est que des. Ezakaka ebandeli. Hallelujah. Yahweh, ata soki nazali ko tambola na kati ya molili ya somo, na koki ko banga eloko te. Voilà. Bamba te, o tambola kana ngai nzela moko. Hallelujah. O lakisaka ngai nzela, o batela kangai na makama nyoso. Oyoki na makama nyoso, makama nyoso, oyo pe za makama. Mamusuzu pe koya alobi obate la kangai na makama nyonso bana nzambe totele bisa kondima na biso. Le juge vivra par sa propre foi. Version de semaine. Ah. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, ouais, je ne craindrai aucun mal. Oui. Car tu es auprès de moi. Voilà. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Alléluia. C'est le moment de déclarer ta foi. Chaque matin, chaque minute, chaque fois, au lieu de dire virus mokoya ya kobanga ikote la yo, déclarer kondima na yo. Et dès que tu déclares ta foi, la parole de Dieu, tu vois ta foi va monter encore. Je déclare, moi, je suis le temple, par exemple. Je suis le temple de Dieu. Là où habite Dieu, pas Corona. Là où habite Dieu, pas son esprit. Et parce que je suis le temple de Dieu, mon Dieu, il s'appelle le feu dévorant. Mmh. Et là où habite le feu dévorant, yes, cette épidémie ne peut pas rester. Amen. Et j'ai béni Dieu, Balobi, et l'ingarabot, et l'ingarabot, mes choix, et zate. Amen. Nous avons en nous le feu dévorant. Oyo atumbaka asekisakate atumbaka asambeli avo ya pemene nayo etumba yango na kombo na Yesu Masi. Amen. Tu dois déclarer ta foi. Et Seigneur tato la kondi mwana yo. Christ en moi. Christ l'espérance de la gloire. Pas l'espérance de la mort. La mort. L'espérance de la gloire. Pas la mort. Yaliwate. On m'a pas dit maladie en moi. Christ en moi. Christ okati na ngai. Là où le Christ habite, est-ce que Christ a sali? Aucune épidémie peut rester là-bas. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et c'est cette vérité-là qui va t'affranchir. Il a dit à Isaïe, mon peuple est détruit faute de la connaissance. C'est le temps d'appliquer toute connaissance que tu sais. Et tu connais dans sa parole, tu mets ça en pratique. Il est écrit, tout enforgé contre nous sera sans effet. Et combien de maillots de parce que nous sommes des esprits. Ta première naissance, tu es né de tes parents humains. Quand tu es né de Dieu, tu es né par l'esprit. Zambé, Dieu est esprit. Jean 4, 24. Jean 4, 24. Dit, tu deviens esprit. Et l'okoyo. Cette chose ne peut pas atteindre un esprit. Tu es un esprit dans un corps. Dès que lui, Dieu esprit, il a pris la chair humaine et aucune épidémie ne l'a. Et à l'objet, le travail que j'ai fait, vous aussi vous ferez même plus grand que ça. Comme je vis, vous aussi vous vivrez.
Je vais vous annoncer ce matin, comme le maître Jésus nous avait dit, ne soyez pas troublés. C'est le temps de déclarer ta foi en Jésus-Christ, en sa parole. Qu'est-ce qu'il a dit? L'homme ne vivra pas seulement par le pain, mais par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand vous déclarez parole, à chaque fois que tu déclares la parole, par révélation, cette parole que tu as par révélation, je ne parle pas de logos, je parle de révélation réma. Tu déclares ça avec audace. Ça va faire remonter ta foi. Dès que foi na yo ozali kolo. Dès que ta foi est élevée, tu vas dominer épidémie. Tu vas dominer toute épidémie. Alléluia. Amen. Praise the name of Jesus. Alléluia. Dans Ézéchiel chapitre 2 verset 1. Ézéchiel a dit. Ézéchiel a lobi. Quand il me parlait. L'esprit entra en moi. Quand tu déclares la parole de la foi, cet esprit entrera en toi. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Voilà pourquoi na lobi bati et téléphone ya maman wana ko olingo benga ebenga ya ingaite ye mokwa yebe loko zambia sali na vina. Tu peux appeler la dame. Ma médecin kutu ba bengi balobi. Maman wana oyo azo kota déjà aza. Pe maizo kenda azo kota na koma. Tolingo tie ba eta na ye. Alobi se mwa balobi te ezayote. Bazon di mate. Ti ba kati telephone. Pa yo bo bazon di make er oyo asi akufi. Pe mutu abiki sa mi sur les champs. Elle a été guérie. À ce moment ici. Nangonga oyo. Le nom de Jésus va se glorifier dans ce moment. Yango, bien-aimé. Molingami. Banako déclarer koni manaye. Commence à déclarer ta foi. Ces paroles Maloba sont esprit et vie. Ces paroles Maloba naye sont esprit et vie. Lui-même a dit. Les paroles Maloba sont esprit et vie. Quand tu déclares les paroles de la foi, ça fait entrer en toi l'esprit de sa parole et la vie dans sa parole. Il y a la vie dans sa parole. Voilà pourquoi il dit que l'homme ne vivra pas seulement par le pain, mais par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce matin, je suis ici prophétiquement pour prophétiser dans ta vie. Si tu veux, tu peux mettre tes mains sur mes mains à l'écran et couiller ensemble et traverser et ce côté là va pénétrer en combo na Jésus. Au nom de Jésus, je m'en fous, attention à toi. Mon Dieu va te sauver. Mon Dieu va te guérir. C'est le moment. Jésus est réel. Et Jésus est vivant. C'est pour la main. Père, merci pour ce temps ici. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour ton peuple qui me suit partout dans le monde. J'impose ma main sur l'écran et je déclare que la puissance de Jésus-Christ se traverse et que tu m'entends, que la puissance de Saint-Esprit te traverse de ta tête jusqu'aux pieds au nom de Jésus. Il a dit, tout ce que je libère ici, est libéré là-bas. Je libère la puissance de Jésus-Christ de Nazareth à travers de cet écran. Que cette puissance te traverse et t'amène la guérison de n'importe quelle maladie. Même cette épidémie, je la maudis au nom de Jésus. Je l'ai maudit par la puissance de Saint-Esprit. Je décrète un miracle créatif. Parce que Dieu m'a parlé. C'est notre année de miracles extraordinaires. Je déclare, vous êtes tous guéris. Vous êtes tous guéris. Au nom de Jésus, vous êtes épanouis. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Et j'engage le sang.
qui a été percé à la croix pour nous, parce qu'il est écrit, ils l'ont vaincu par le sang de Jésus Christ de Nazareth. Et j'invoque le sang de Jésus, j'engage le sang de Jésus, et je déclare, vous êtes couvrés par cette sang, vous êtes épanouis par cette sang. Comme son sang les a épanouis dans l'Égypte, les mêmes aujourd'hui, que le sang de Jésus vous épargne. Que ce sang vous épargne. Au nom de Jésus. Ya makila na Yesu. Je mets la marque du sang de Jésus. Esprit à mes corps na bino. Sur ton esprit, ton âme, ton corps. Na komisi bino intouchable. Je vous rends intouchable. Na komisi bino invisible. Je vous rends invisible. Devant cette pandémie. Devant cette pandémie. Au nom de Jésus. Na komo na Yesu. Merci mon Dieu. Na tout nous sommes mon Dieu. Na komo na Yesu to sambeli. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoute-moi. Dieu m'a dit. Zambale belinga. Je vais faire service des sang de Jésus. Na komo na service à makila na Yesu. Dans notre culte à 17. Il faut être connecté. Zala connecté. Il y aura la rediffusion 18h, 19h, 20h, 21h. Et pour les gars, soutiennent à 21h. Amène ton bouteille de sang, même de l'eau et des grenadines, quoi que ce soit. Je vais expliquer le mystère des sang de Jésus. Comme Moutana exode. Si les photocopies les a sauvés, yes, l'original va te sauver à 5 minutes. Amen. So, on va se voir encore vendredi. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez les témoignages, envoie-nous votre témoignage par audio, WhatsApp, et avec ton photo et ton numéro. Comme ça, on va flasher le monde. Le monde peut t'appeler pour vérifier si c'est vrai ou c'est faux. Comme Maman Lydie de France, que mon Dieu a guéri de cette corona. Elle est là, elle est vivante. Tu peux l'appeler. Son numéro est là. Que Dieu vous bénisse. Ciao. À la prochaine. Petela Yesu maboko makasi. Bonjour, bonsoir peuple de Dieu, ici Camille tout bozoami. Je me présente, je suis la sœur Lydie Nyanza, na fandi na France. Na sali vidéo au pona au sala résumé, il y a témoignage nanga na tindaki par voice. Na problème est lequel nga entre jeudi 12 et lundi. Jeudi na vendredi après musala kosukosu bande ko sala ni pardon courbature bande ko sala nga jeudi vendredi après na nuit ya vendredi kosukosu bande ko sala nga est passé toyo koko ma samedi et continuer sous ko sala nga na ba courbature na ye ko benga papa na suété na bengi l'un des fils des prophètes abondé li pona nga na bengi Samuel. Et na bengi mon babi nga non madame tozo rappelé yo to silisana no to sololana médecin na biso docteur na biso après toujours rappeler docteur en moi ko rappeler nga ibisanga binanga a poser nga ba question na répondre binanga madame eza coronavirus mais vu que santé na yo kana eza gravité moyen toti na ambulance yo sorte tikala na ndako a ibisanga ba précaution ni fo na sala abinanga so oyé na hôpital awa toujours wa bato bana problème réanimation mais même iso ki nongo sana oyé tout ça n'a qui sauté sauter parce que qui c'est toi le traitement en moté donc c'est mieux aux ananda pour mais c'est juste au se protéger pour na au protéger parce que tout ça tout autour on a yo a une certaine précaution ni on le bande au sala la femme dit tu es kokoma samedi na butu kosu kosu et continuer fièvre bandi au sala nga et peu me bandi au sala nga et bandi peu me bandi au kende en fait na comment ça là bas ok na bengi bango ba tindeli ngayi ambulance ba ye ba consulté ngayi ba ye bisenga ba binanga non madame to moni ke oza na problème ya respiration mais tikala quand même inanda ku soki omoni arrêt cardiaque sa liyo nde obengi naza même na message oyo ba tindela kinga so boko yo komona la fandi et yo kokoma nuit ya samedi to yo kokoma nuit ya samedi et ya dimanche kosu kosu e bando salanga suma kasi pema e bando kende na meko benga papa na zuyete na bengi bango na sui bango ba yebise ngi babinga non madame moi songo ta silika binanga non to sa deja na dossier na yo to yebise kosu ki a regarder ke bandi ko salo c'est à ce moment là o benga biso pour le moment ko benga biso te parce que on peut rien faire awa to soka bato baza la problème ya arrêt cardiaque er bango bakati papa yo ko benga ngezaki vers entre 5h et 6h papa beninga ambassadeur de Christ abengi ngai Dayo Samuel abengi ngai abondeli ponanga
a téléphone ngina banda ko expliquer alobi nga non mama na ça déjà na message no tin de la kinga par voice papa a bondé li pona nga ya ibisinga soko sa na osa na mai na bondé la nga déjà na zaki na jus na sombaki na gâteau na l'huile d'onction papa bondé li pona ngo alobi nga mela na bana yo na bana bo melaka a ibisinga neni fona déclarer na déclarer qu'à chaque fois na zo soa na so sala ba mystère du royaume et ayebisanga bino mama fo melaka bilo kwa moto ndenge balobi et tout solo na papa et s'il allez papa katine pe téléphone ko kata papa kata ki téléphone entre 1 à 2 minutes pe mananga ezongi normal déjà un papa benginga fo na soa téléphone na sala ki déjà na kondima na yebeke na se connecta ki na nzambe na ye na yebeke ke soki papa bondele ngai n'a pas soit solution mais je m'attendais pas aussi qu'elle allait vite donc il na vivre en mode et ça de 1 à 2 minutes pe malanga et sont dit normal et na eko soit na eko tinda message pardon na eko tinda témoignage langa par voice ya on ngina conseiller bana nzambe toza ne sika bien toza ne sika bien et toza na papa bien parce que la moni tout autour nanga boni bato bakufi pona coronavirus mais lelo soki na so tato la na za na bo moi na so tato la liboso na bino bana nzambe parce que na za ki na peur te parce que papa soki abiso tout ça na peur te et na se connecta ki na nzambe na et na ndima ki et na so considérer ndenge ate ya ki biso na matéria ya vendredi 13 croire à son serviteur na zo ndima na et pa na ye yangwa na prière na ye ezala ki na effet pa nanga parce que soki na mande ko ndima ete na nga ki na mona miracle o na mona ki instantanéité ya mo bana nzambe to croire na nzambe ya papa na biso et to za na perte to za la tango nyoso na titi da prière jusqu'à ce que et problème o ekoleka na yebi ke nzamba ko batela biso na kombo la Yesu Masia amen que Dieu vous bénisse Petela Yesu maboko makasi. Tikana prophétiser na vie na. Nasa kwela na bo ina. Bista ba linga bazo kufa ko kufa te. Eloko epomi tata na yo ko poma yote. Eloko epomi mama ko poma yote. Ya ye. Les jours de chaque action. Bon pour vous. Face à quoi? Que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle et tu commences à spiritualiser ta vie, tu vas commencer à dominer sur cette terre. C'est moi qui bat la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe a parti à l'élo na commission intouchable, na commission invisible? Na yoko kosa yo na linie ya batu ba isapa makambo ya tenye wana.